الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد، mes très chers frères, mes très chères sœurs، حفظكم الله، car vous préserve, vous protège, vous et l'ensemble de vos proches. Lorsque le noble Coran s'adresse à nous، Lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le noble Coran, s'adresse à nous, ce à quoi il nous appelle, ou ce qu'il nous interdit, c'est toujours, soit il nous appelle à un bien, ou soit il nous interdit de commettre un mal. Quelque chose qui est néfaste, négatif, même si on ne s'en rend pas compte. Et lorsqu'Allah subhanahu wa taala s'adresse à nous, c'est toujours avec véracité et vérité, bien entendu. C'est toujours avec véracité et vérité, avec justice, subhanahu wa taala. Et ce que contient le noble Coran comme information, eh bien, ce ne sont que des paroles de vérité et des paroles décisives, car le Coran du début jusqu'à sa fin est décisif et véridique. Il n'est en rien plaisanterie ou frivolité ou amusement. Le Noble Coran, ce qu'il contient, n'est que vérité et parole décisive. Et dans ce Noble Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد الرسول الله الصلاة وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نديه في سورة طه في 132 et ordonne et ordonne à ta famille d'accomplir la prière et sois constant toi-même dans sa pratique nous ne te demandons aucune subsistance c'est nous qui t'accordons ta subsistance et ce nous ici c'est Allah et c'est le nous royal comme vous le savez déjà et Allah conclut ce verset par cette parole Et la bonne fin est réservée à la piété. Et la bonne fin est réservée à la piété. Ainsi, Allah nous dit Et ordonne à ta famille, à tes proches, la prière. Que signifie cet ordre? Que la personne qui n'a jamais parlé de religion avec ses enfants, si ce n'est quelques expressions qui vont sortir de manière automatique lorsqu'on mange, etc., elle se lève un jour et elle va voir ses enfants. Et hey, toi, va prier? Non, ce qui est voulu ici, c'est... Et enseigne à tes enfants tout ce qu'ils doivent savoir au sujet de la prière. Enseigne à tes enfants, à tes proches, tout ce que tu connais au sujet de la prière et ordonne-leur par la suite de pratiquer cette prière. L'ordre ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala vous dit Et ordonne à ta famille la prière, c'est-à-dire, et enseigne la prière. Et si cet ordre t'est donné de leur enseigner, c'est que toi-même, en amont, tu te dois d'avoir appris. Toi-même, en amont, tu te dois de connaître ces choses-là. Et ces choses-là relèvent de l'obligatoire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète Muhammad ou à et à travers lui à l'ensemble des membres de cette communauté, de transmettre ce commandement et ordonne à ta famille la prière. Et parmi les choses que l'on apprend de ce verset, c'est que la personne, elle se doit de se consacrer en priorité aux membres de sa famille. Car ce sont les membres de ta famille et je ne t'apprends rien, les personnes les plus proches de toi, les personnes que tu aimes le plus et qui t'aiment le plus. Donc, tu te dois de vouloir leur bien, tu te dois de vouloir pour eux la même chose que tu veux pour toi. Tu espères obtenir le vaste paradis d'Allah, tu espères échapper à l'enfer tu te dois, et ça t'est obligatoire, de vouloir ces choses-là pour les membres de ta famille. Et regardez la parole d'Allah qui nous dit, dans la surat at tahrim il nous dit, « Ya anfusakum wa ahlikum nara, wa al Il nous dit, en oh, vous qui avez la foi, en oh, vous les croyants, préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu, c'est-à-dire le feu de l'enfer, un feu qui aura comme combustible, comme aliment des êtres humains et des pierres. Donc, il est obligatoire aux musulmans de conseiller en priorité les membres de sa famille, les personnes qui lui sont les plus proches, et de mettre tout ce qu'il a en œuvre pour que les membres de sa famille soient droits et dans le droit chemin. Il ne s'agit pas de ne penser qu'à soi. La personne, elle rentre chez elle, elle rentre de la mosquée, elle rentre à la maison, elle prend le Moshaf, elle prend un exemplaire du Noble Coran. Elle lit, elle révise son Coran, ou elle va écouter des cours, ou elle va peut-être prier, elle va donner l'aumône, etc., etc. Et ses enfants, elle ne sait pas du tout. Elle ne se préoccupe pas du tout de cela. Est-ce que ses enfants prient Est-ce que ses enfants savent seulement comment prier La personne ne sait pas. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être une fois j'en ai aperçu un ou deux qui priaient. Je ne sais pas. Non Non Le croyant, il doit faire attention à ces choses. Il doit toujours faire ce rappel, toujours. Et pour que ce croyant, bien entendu, ou cette croyante, soit prise au sérieux, soit écoutée, soit respectée, pour que sa parole soit respectée, il faut que cette personne elle-même soit la première à pratiquer et à mettre en pratique ce à quoi elle appelle a fait Ainsi, mes très chers frères, c'est un point d'une importance considérable. Un point d'une importance considérable. Notre premier souci, c'est les membres de notre famille. Pas X, un tel et un tel, parmi les voisins, parmi les gens de, du travail, ou je ne sais quoi, etc. Je sors trois jours, quarante jours, un mois pour aller m'occuper de personnes qui sont à l'autre bout de la terre et les membres de mon foyer, je ne sais pas. Non, non. Et regardez la parole du prophète Mohammed, wa salam qui nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, il a dit, Sinin, il a dit, enseigner et ordonner à vos enfants d'accomplir la prière à quel âge 22 ans 17 Non, 7 ans À partir de 7 ans, tu te dois d'enseigner la prière à tes enfants, garçons comme filles. Et à l'âge de 10 ans, le messager d'Allah dit de serrer la vis. Et ce ne sont pas ces termes. Mais vous avez compris le message. À l'âge de 10 ans, tu dois serrer la vis. Tu dois être attentif. À 7 ans, tu leur enseignes la prière. Et tu les encourages. Tiens, viens avec moi à la mosquée. Tiens, va prier si c'est une fille. Tiens, va prier avec Oumi, avec maman, etc. Mais il n'y a aucune obligation. Mais à l'âge de 10 ans, tu dois être attentif. Est-ce que ton enfant a fait ses cinq prières est-ce qu'il connaît ces choses-là? C'est essentiel. Car comme on a dit précédemment, au début de ce modeste prêche, et comme vous le savez déjà, tout ce qui nous vient du Noble Coran est véridique. Tout ce qui nous vient du Noble Coran est vérité. Tout ce qui nous vient du Noble Coran est juste et veut notre bien. C'est pour notre bien. Car c'est la parole d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Et. Allah nous dit, et ordonne à ta famille d'accomplir la prière et sois constant toi-même dans sa pratique. Donc, on se doit de faire attention à ces choses-là. Et la personne, en vérité, lorsque sa prière est effectuée correctement. En ce qui concerne l'heure de la prière, en ce qui concerne les mouvements dans la prière, en ce qui concerne le recueillement, la concentration dans la prière, lorsque la personne, sa prière est effectuée correctement, eh bien, tout le reste de ses affaires religieuses va suivre. Lorsque la prière est droite, tout le reste des affaires religieuses suit. Et lorsque la religion d'une personne est droite, sa vie entière est droite. Ses espoirs, ses craintes, tout ceci est sur un chemin droit. Tandis que lorsque la personne, sa prière, elle zigzague, eh bien tout le reste de sa religion zigzag. Tout le reste absolument tout le reste, lorsque la prière zigzag ou lorsque la prière walia'd billah n'est pas présente, tout le reste est bancal. Et si la vie religieuse d'une personne est bancale, eh bien sa vie tout entière est bancale, que ce soit dans ses rapports avec ses proches, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de sa santé, etc. Tout est bancal. Parfois, Allah laisse un délai. Donc la personne, elle a le temps de revenir, de se rectifier. Et parfois, tout s'écroule de manière brusque. Et sans que la personne ne s'y attende. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et sois constant dans la pratique de cette prière. » Et il nous dit « Nous ne te demandons aucune subsistance. » Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez déjà, c'est lui qui accorde la subsistance. Et ce qui est voulu par subsistance, ce n'est pas seulement ce que l'on mange et ce que l'on boit l'énergie dont tu disposes c'est une subsistance la personne avec qui tu partages ta vie c'est ceci fait partie de ta subsistance tes enfants font partie de ton risque également c'est une subsistance Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui accorde tout cela et qui parfois reprend ces choses et il nous dit, c'est-à-dire que celui qui détient en son pouvoir toutes ces choses qu'il peut t'accorder ou te retirer et qui t'a ordonné de prier et d'enseigner de, à tes proches et de leur ordonner de prier. Ce Seigneur Tout-Puissant qui accorde la subsistance à toutes les créatures, que penses-tu qu'il va faire de toi si tu fais partie de ceux qui prient, si tu fais partie de ceux qui ont enseigné cela à leurs proches, qui leur font le rappel régulièrement Il va t'accorder ce dont tu as besoin. Il va te préserver. Il va te guider. Subhanahu wa ta'ala. Et il t'accordera, wa mais il faut la grande faveur d'entrer dans son vaste paradis est d'être préservé de l'enfer. D'où sa parole. Et la bonne fin, en toutes choses en vérité, est réservée à la piété. C'est-à-dire est réservée pour ceux et celles parmi les croyants et les croyantes, parmi les musulmans et les musulmanes, qui font preuve de piété. Et la piété, qu'est-ce que c'est C'est le fait de craindre Allah véritablement, de s'écarter des choses qu'il a interdites et de mettre en pratique les choses qu'il a ordonnées, subhanahu wa ta'ala. « tabaraka wa ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil an yaj'alana minhum » Et on demande à Allah, par ses plus beaux noms, et ces qualités divines parfaites de faire de nous ce genre de personnes, des personnes qui le craignent véritablement, des personnes qui prient et qui restent constants dans leur prière et qui transmettent ceci à leurs proches en priorité. <t> « <'en -t -en> ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين